Philippe, il paraît que tu racontes sur Internet que... Ma base autonome durable ou ma bulle autonome durable. Alors, je prépare ma BAD. Alors, c'est super parce que ce matin, Jean-Paul, il m'a coupé l'herbe en haut. Ce qui fait que tout le long, bon, il le fait aussi un petit peu pour se séparer, pour lui. Mais c'est super et nickel. Bon, j'aurais bien aimé qu'il vienne jusque-là, mais c'est plutôt à moi de le faire. C'est pas vraiment lui, quoi. Donc, ma BAD. Je prépare ma BAD. Ma base autonome durable. Et ben là, ma BAD. Alors là, je me dis que c'est le moment ou jamais de la terminer, ce morceau-là. Ça devient critique, la situation, et ça va être de pire en pire. Donc là, j'ai pas grand-chose à finir, donc il faut absolument que je termine. Donc j'avais commencé il y a quelques jours. Donc là, je vais regarder un petit peu ce que ça va donner. J'avais commencé ici, là, à mettre du béton, là. 2 cm, rajouter 2 cm. On va aller voir ce que ça a donné. Hop là. Alors. Voilà, apparemment c'est pas mal. Il n'y a pas de fissure. Parce que j'avais un peu peur, hein, parce que 2 cm d'un coup, j'ai un peu peur que ça fissure. Mais non, nickel, il n'y a pas de fissure. Super. Super. Alors je l'avais fibré un peu. Bon là, il faudrait que je rajoute là, il faudrait que je comble là. Et bon aujourd'hui on va faire. Bon, on va essayer de faire là. À la main, on fait toujours à la main en ce moment là. Je vais monter de l'eau pour mouiller. Faire là le maximum. Aller au plus loin quoi. Et puis là quoi. Tout ça là. Bon, là je l'ai fait à la boîte. Mais il faut quand même que j'en fasse le plus possible. Peut-être aller poser là-bas, au bout là-bas. Ouais, faire les trucs chiants, quoi. Les trucs, bah, de toute façon, vaut mieux commencer par le plus loin. Bon, on verra, on va voir. Hein. On va voir ce qu'on va faire. Mais bon, on a bien bossé. Après, l'idée là-dessus, ensuite, c'est de coffrer ici, là. Hop. De remonter certainement un petit peu le mur, là, de le continuer par là. De terminer de projeter ici sur tout le mur là pour pouvoir ensuite ici poser une bâche, faire un petit drain là derrière là. Pas grand chose hein. Tout petit drain et ensuite de la terre. Ici, qui va venir au moins à 50 cm de terre, quoi. Et par-dessus la terre, on fait le fameux patch, donc par-dessus la terre, on met l'isolant et on remet de la terre. Bon, je vous invite à voir ce que j'ai publié sur le patch, le Passive Annual Heat Storage, où je referai une vidéo. J'ai prévu de refaire. Aïe! Une vidéo sur le patch. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui. J'ai prévu de faire une vidéo sur le patch, un peu plus explicative, parce que j'ai une petite idée là, pour chauffer la terre là. J'ai une petite idée à vous soumettre. Enfin, pas à vous soumettre, j'ai une petite idée à vous dire. Je vous la dirai dans une autre vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, béton et on pose là-haut. Donc, je vous dis à plus tard. Bon, je suis super content de ce que j'ai fait. Je pensais en faire beaucoup moins. J'ai fait 2 bétonnières. Et c'est 2 sacs à chaque fois. Et là, j'ai quand même pu étaler suffisamment de... On va aller voir ça.
de béton, ah, de mortier quoi. Hop là. Hop là. Voilà, on est dessus. J'ai pu en mettre là, un petit bout là. J'ai fait toute la le dessus du petit couloir. J'ai fait au bout là-bas. Là, tout ça là. Putain, je suis vachement content. Tout ça c'est fait. Ça veut dire que il me manque un petit peu là-bas. C'est chiant là-bas. Que je trouve un système quoi. Il me manque un petit peu là-bas. Il me manque le bah, tout le la chaussette quoi, le puits de lumière, et de l'autre côté ça va être un peu chiant. Et puis il me manque tout là. Tout le bas de la voûte là. Jusque derrière. Mais bon, si j'évalue ce que j'ai fait par rapport à ce qui reste, je pense qu'il y a encore 4 bétonnières quoi. Bon, est-ce que j'aurai suffisamment de sable? Ça c'est autre chose. Et puis le sable, pour le faire livrer, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, ben vous savez. Voilà, c'est surtout vous abonner quoi. Vous abonner à la chaîne YouTube, en parler autour de vous. Et puis surtout aussi vous abonner aux vidéos privées dans le petit lien dans la description. Ou à la fin. Ou dans le i là. Le i là ou là, je me rappelle pas. Comme on est à l'envers, je me repère jamais. Là, je me regarde, donc je me verrai. Donc ça doit être là. On vérifiera, d'accord? On vérifiera ensemble. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Moi, j'ai une petite formation Instagram à faire là. Donc je me dépêche de rentrer. À bientôt.